Ça va? Ça va. On est là, mais il y a un peu calme. Ouais. À l'origine, les gars, ils descendaient dedans pour essayer de mesurer l'épaisseur du glacier. D'accord. Bon, maintenant... Croyant qu'ils allaient rejoindre le fond... Croyant qu'ils allaient, voilà, mesurer toute l'épaisseur du glacier jusqu'au lit rocheux. Ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt l'hydrologie, l'eau qui nous intéresse. Ouais. Comment l'eau circule, est-ce qu'elle emprunte toujours des crevasses, à quelle vitesse elle creuse le glacier, à quelle vitesse ça se referme. Allez. C'est bon ? Il y a de la caillasse au fond, là. Il y a finalement assez peu de scientifiques qui pénètrent à l'intérieur de ces glaciers pour regarder comment l'eau circule. L'eau circule toujours en empruntant des fissures, en rejoignant souvent les bordures. Et puis ça a un intérêt aussi pour les captages. Et dans les Alpes, il y a de nombreux barrages hydroélectriques qui récupèrent l'eau des glaciers. Et comme il y a de nombreux mystères, on essaye toujours chaque année de récupérer des informations. Ok. Je fais des prélèvements d'eau pour un copain géologue de Dijon. Il regarde la différence de dissolution minérale entre la surface, l'eau de fonte, ouais, et ce qui sort au fond du glacier. D'accord. Ça va ? Voilà ! C'est beau, hein ? Ah ouais, c'est énorme. On va continuer de descendre et on fera une manip de température de glace. Ok. Et tu la retires. En fait, là, on devrait être dans une glace qui est à 0 degré de température. Ouais. C'est ce qu'on appelle les glaciers tempérés. Ok. Les premiers glaciologues ne comprenaient pas pourquoi on trouvait 0 degré de la surface du glacier jusqu'au fond. C'est la neige qui est imbibée d'eau qui se transforme en glace ensuite à 0 degré. On va encore un peu. Ici, on est dans de la glace qui a à peu près une centaine d'années. C'est de la neige qui est tombée dans la partie haute il y a un siècle. Ce n'est pas de la glace qui est à température négative. Dans les Alpes, on trouve de la glace négative au-dessus de 4000 mètres, comme dans les zones polaires. Oh, de très très jolis néants. Magnifique. Super. C'est beau, hein? Ouais. Et t'as combien sur le... Bah écoute... T'as combien sur le petit?